Chers téléspectateurs, salut. Avec plaisir d'avoir un gros artiste. Un artiste qui fait un gros parcours dans le domaine musical là. Et c'est un artiste depuis longtemps m'attendait, l'Enrico. Il dit Jamba, Radio Haïtien Inter, qui dit Tambou Bakan, on est tous d'accord. C'est formidable, c'est plus que formidable avec Zeklé qui fait thème musical ça. Concernant ça, les gros coquins de ça, qui sont crasés là, qui sont nous dit et courant de là, côté tout le monde satisfait de musique. Interprété dans la 12e édition et faites bien pour ça. Salut! Eh bien, Miro dans la soeur avec nous. Tout le monde dans les magazines en forme. Si nous commençons à musique, ça c'est pas bon. Rico, nous avons plus respect pour Rico. C'est le monde qui t'a fait un pile promotion musicale ici, Rico Jean-Baptiste. Et comme animateur musical ici, c'est le monde qui a voulu nous honorer aujourd'hui. Le monde qui fait musique ici, c'est la journée à côté de l'IA, c'est grâce à des gens qui ont Rico. Et encore Rico, c'est le monde qui a plus respect pour lui. Ah, ça! Où est-ce que vous êtes? Vous êtes Mario. Absolument. Ok. Bon, pour téléspectateurs, télémagazines, qui sont à dire de en long terme ou en short terme, orchestre qui a porté pour vous? Bon, c'est clair qu'on y a là. Bon, c'est clair nous avons commencé là en 2006. Nous faisons des flashbacks. Par Canasuc, nous faisons un concert de flashbacks. Bon, tout le monde est encouragé. Nous commençons avec maintenant. Bah, la terre m'a bien passé, bon encouragement, nous commençons maintenant. Donc là, on n'a pas un autre album là, on n'a pas un autre album qui a sorti en décembre éventuellement. En folie en décembre, l'a sorti. Mais moi, l'album, ça qui est là, c'est un album qui paraît toujours neuf. Non, ça c'est l'ancienne musique. Toute musique n'a plus assez ancienne musique qu'il a depuis 1984 jusqu'à 90 qu'il n'a plus là. Où est-ce que tu es de Rico? Je suis Marayo. Oui, je suis Marayo. Ce qui conseille aux cabas jeunes. Jeune musicien qui a venu pour évoluer beaucoup mieux à l'instar de Nemo Jean-Baptiste. À l'instar de Nemo Jean-Baptiste. Musique haïtienne, nous m'en a dit que c'était une époque. Je dis bien, c'était une époque. C'est les années 70, c'est les années 60-70. Quand il y a une musique là dans le monde, changer en pile. Donc, dans ce dernier, vous comprenez ce qui a passé dans le monde musical aujourd'hui pour adapter la musique haïtienne à ce qui a passé aujourd'hui dans le monde. Si ce n'est pas ça, nous faisons la musique haïtienne, on ne va pas le faire côté. Pour en adapter la musique haïtienne, ça va passer aujourd'hui dans le monde musical. Parce que la musique a changé énormément. Et là, tout le temps, chaque année, chaque deux ans, la musique a changé. Même dans ce dernier, si ça va passer, M. Kwe, tout le monde qui est ici, les États-Unis d'Amérique, a su plus close que ça va passer la musique, de mieux comprendre et mieux évoluer la musique, ça va passer qu'on y a dans le monde. Parce que là-bas, simple, si vous voulez entrer sur le marché international, là, c'est possible que ça va passer pour intégrer la musique dans le marché international. Là. C'est avec la seule frappe là, son orchestre, nous avons dit à nul autre pareil, de frappe, mais au campé jeune. Vous demandez, un orchestre 84 existait, tout le monde qui prend la radio Haïti Inter à 9h pour le Rico, tape du tambour battant, c'est musique qui fait éclair. Moi-même, j'ai éclair sur cassette. Son jazz, mais qu'on aime, moi, mais j'en ai frappé. Bon, pour jazz, là, arrivé, je n'ai pas frappé comme ça, bon, secret. Secret, c'est que la musique peut nous faire à l'époque dans les années 80. Et l'Ivala peut-être pour aujourd'hui encore, parce que nous peut-être on dit ahead of time. La musique nous dit ahead of time et c'est ça fait musique nous peut-être aujourd'hui à jouer encore. Mais là, on est là, c'est la dernière performance jusqu'à ce que nous nouvelle prochain album qu'on a fait. Bon et mauvais souvenir dans le domaine de la musique. Hein? Bon et mauvais souvenir dans le parcours musical. Bon, mauvais souvenir, il y a très bons souvenirs de musique haïtienne comme passé en Haïti, évidemment à l'étranger tout. Mais mauvais souvenir, c'est que l'organisation, ce qui en pile changement fait dans cette organisation, par exemple, on vient ici pour jouer. L'organisation et les gens qui promouvent la musique haïtienne, il y a un pile programme qui fait quand même quoi qu'il fait. Et c'est ça qui pêche en pile la musique haïtienne. Mais heureusement, il y a un pile programme qui fait dans ce sens-là. Et bien content. Oui, merci. 12 janvier, pour le carotter. Pour le MDN de mon console, mais je vais faire mon travail. Et bien, là, pas facile. Il était très dur. Très difficile. Ça me passe, mon bap fouti comprendre ça qui passe du janvier ça là. Ça nous n'est que vivant bas là. C'est très dur. C'est très difficile. C'est peut-être une peine pour changement. Hein? C'est quand on peine pour changement. Hopefully, pour changement, on peine pour changement, on plus peine que changement parce que Haïti va changer comme ça, il va demander un peu plus pour Haïti changer. Pour chaque Haïtien changer dans la tête, changer dans le cœur. D'abord avant que changement, c'est pas tellement le monde qui a fait changement Haïti. Pour chaque Haïtien, c'est comme un cœur en tête pour changer. C'est un plaisir d'accueillir chanteur Zeklé. Zeklé, c'est une orchestre. N'a pas le temps d'elle. Et puis, il faut lever son tour pour la frapper du pour tout auditeur, téléspectateur de les magazines. Merci. Thank you, man. Thank you, merci. Bye bye.